Salut à tous et bienvenue dans la suite de 13 Sentinelles à Aegisrim. Aujourd'hui, on s'attaque à l'histoire de Ei, Seki, Gaara. C'est parti. Donc, c'est un peu tous les persos qu'on a déjà creusés. Et lui, justement, c'est un peu celui qui fout la merde quand on commence le jeu. Lui, il sait et nous, on sait pas. Il fit quelque chose. Et voilà. Bah oui, c'est bien moi. C'est peut-être un faux nom. Une autre dimension. Mensonge, dites-moi la vérité. Résister, c'est inutile, rends-toi. Si vous me dites rien, boum. Il a voulu le faire. Oh okay. Ah, peut-être. Ramasse son gun. Plus de souvenirs, d'accord. Homme mystérieux. Il est en vie. Ah. Je me demande qui sont ces types. Ah, encore? Voix. Possession. Mais voilà. Peut-être qu'il a des infos. Mais oui. Des menottes. Et. Radio énorme. Et son portefeuille. Parfait. On a fini? Ok. Du coup, je peux. Ouais, voilà. Le portefeuille. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Juste de l'argent. D'accord. Les billets ont des motifs que je ne reconnais pas du tout. Et même 500 yens. Encore? Des luxe en cuir, des billets, des pièces, pas de cartes. Ok. Qu'est-ce que c'est que cette radio? C'est qu'à mon avis, lui aussi, il se balade dans le futur et dans le présent, enfin dans le temps, quoi. Un vieux transcepteur pour les communications, portée plutôt réduite, oui. Sekigara. Il m'a appelé comme ça. En économisant de l'énergie, je devrais encore pouvoir tirer deux ou trois fois. Mais elle a pas l'air d'être à sa place ici. Est-ce que je l'ai ramené d'un autre monde? Ouais, mode paralysant, bon, ok. Ça fait deux jours que je me suis réveillé dans cette ruelle, je fais que courir et j'ai faim. Pas de soucis. D'accord. Donc lui aussi il a été téléporté dans le passé mais il s'en rappelle plus. En fait c'est un peu les effets secondaires du téléport, j'ai l'impression il se rappelle de rien. On sait qui c'est, hein, c'est la petite infirmière. On dirait qu'elle est morte par un tir de cette arme. Ah, t'es sûr? Est-ce que je connais cette femme? Est-ce que je lui ai tiré dessus? Ouais, bon, j'ai rien, j'ai pas de souvenir. Ok, je sais même pas qui je suis, d'accord. Oh, 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 là! Non? On peut pas ramasser ça? Ça a l'air trop important. C'est bizarre. Ok, dégagé. Une boîte de pilules vides. Sûrement les miens. Et ça là. Mais sur le corps de cette femme, mais on a regardé déjà. Un bout de papier avec une séquence de numéros. Bah si. Mais tu fais chier. Laisse-moi t'amener. J'ai même pas regardé dans mes propres poches. Carte étudiant. Et une clé. Et... Ah là!
Un papier, une enveloppe. On dirait que les papiers sont restés au sec. Alors il faut tout fouiller du coup. Alors qu'est-ce qu'il y a dans l'enveloppe? Document à l'intérieur, tu veux pas regarder? Dossier avec des notes. Shishioro Morimura, un prof. Faites à la main, éliminer si la capture est impossible. T'es jointe avec les documents sur Morimura. D'accord. 31 ans, infirmière du lycée. Personne clé impliquée dans le développement de l'arsenal. Shiki, je sais plus quoi. Ouais. Shikishima. Ok. Une clé. Une clé de voiture. C'est ma carte étudiant. Et je m'appelle. Ah, Fuyusaka. Mais non. Mais voilà. Celle d'un ami. Tiens, une fille. Pourquoi il est encore en vert, lui? Ouais, ok. Rangée de chiffres. 4-4-36-85-32-14. Peut-être un mot de passe. Ok. Il nous reste... Ah, on peut faire des associations ou pas? Parce qu'il est toujours vert, lui. Non, mais... Ah, mais avec le cadavre, peut-être. Voilà, c'est ça. Non, mais je sais. Donc ça. Voilà, ça c'est elle. Bah, allons-y alors. Bah la pauvre. D'accord. Ok, donc c'est moi qui recherche. Ok. Ah bah tiens. Mais on a vu ça. Qu'est-ce que tu veux, Yuki? Tu vas te faire remarquer. Où elle a l'air de me connaître? Ils arrivent à te localiser, mais t'es qui? Je viens de prendre ton paquet. Mon paquet. Janai! Ce paquet m'appartient? Ah, c'est le robot! Ah, tu viens d'un autre monde. Un accident assez grave. Beaucoup de gens sont coincés et ne peuvent pas revenir, comme moi ou toi. Vous êtes la même personne? Détends-toi, il y a un moyen de sortir. Mais je peux pas te dire ici. Ces types finiraient par voir cette vidéo aussi. Alors je le cache ailleurs, tu devras réussir à trouver où c'est. Trouve-le. Surtout te fais pas attraper. Merci. Ok. Ok, on a fini le prologue de chez Sekigahara. ouais. Bah, on continue, hein. Continue, ça fait même pas 10 minutes. Et combat!
Oui. Ok, je commence à les remettre, hein, doucement. Peu importe la guerre, c'est un honneur de me battre à tes côtés. Shinonome-kun, tu t'es déployé sans autorisation. Ah, c'est ma sentinelle. Une autre sentinelle est encore de téléportation près d'ici. On va être nombreux. Il y a du monde, j'ai pas reçu d'invitation. Tant qu'elle fonctionne, on s'en fiche. Ok. Allez, à cette bavardage, on va taper. Détruit tous les cailloux ou active Égide. Terminal détruit ou un pilote meurt. Ok, bon, faut. On va rester ensemble le temps qu'il reste. L'autodéfense est affiché en haut à droite de l'écran. Ok. Termine le niveau en protégeant le terminal jusqu'à la situation du système, blablabla. Alors. Je peux. Bon. Donc, toi. T'as pas un truc un peu plus. Ah ouais, longue portée, c'est là-bas. Ah oui, mais c'est lui qui attaque loin. Non, alors là, on va se débarrasser de ça, d'abord. Voilà. Toi, attaque bondissante. Alors lui, c'est monsieur corps à corps. Donc on a eux qui nous saoulent, et on a le gros là-bas. Ah, quand même! Allez, nickel! Victoire! Très bien! Sélectionner le type de bataille. Quoi? Facile. Rend les batailles plus faciles pour ceux qui veulent se concentrer sur les stores. Un équilibre. Ah, c'est maintenant que je faisais le niveau de jeu. On va jouer en normal, on va pas trop se prendre la tête. Choix du mode a été verrouillé. Joue à l'histoire avec aventure et mène des combats dans bataille. D'accord? Je suis pas sûr de comprendre. Ça, ok, c'est pour. Je peux faire des combats? Je suis à 7% de l'aventure et à 18% des batailles? Et affronte la crise. Bon, nous on va sur l'aventure, de toute façon. Les récits d'aventure évolueront différemment selon tes actions. Cherche un parcours encore inexploré pour dévoiler l'histoire. Ah, j'ai pas compris alors. Donc là maintenant je peux choisir de jouer avec qui je veux, sauf lui. Termine l'événement empoisonné. D'accord, lui il faut faire une bataille. Eh ben on reprend sur Juro. Allez hein. Ouvre la trame d'intrigue pour voir le parcours déjà vécu. Oh mais c'est une blague. Tu peux reprendre l'histoire d'un personnage à partir d'un moment particulier. D'accord, bon là j'ai rien fait en gros. Sac. D'accord. Attends, y'a. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que j'ai vu? Non. Non, pas encore. Elle est là. Yutashiba, on peut parler de Deimos. J'arrive pas à me souvenir si on l'a déjà fait. Oh, ok. Bah on sort.
Oui. Ouais, ça va. Juste, j'ai plein de trucs à voir. Bon, ça c'est le film. Amiguchi, c'est un voyou. Et il a beaucoup d'argent. Un film rare à trouver, oui, mais ça on l'a vu, hein, c'est ce qu'il voulait. Ok. C'est où la cantine? C'est barré. いいね、アミゴチ。キシャ。ゲームやり損なっちまった。お?ジュロ君。南さん。いい。南さん。あのさ。どうしたの?いや、疲れはさ、いつまでいるのかな。ああ、いつまで。ちょっと待ってさ。Très super difficile du coup si tu veux bien. Laisse un peu plus Ranamor. Ah, ça, OK。誰こち、ご近所のうちのばあちゃんと南さん。意外に女子と仲いい。Ouais, c'est ma voisine. OK。これは僕の家の気ままなはずの人。もう。Ouais, problème à la maison, on va réfléchir dessus. Chez les Kurabe. Ma vie prend une tournure de plus en plus étrange. Ok. Qu'est-ce que c'est trop beau, c'est fou. Ah ouais. C'est qui celle-là? C'est ta mère ça? Elle est un peu habillée comme une... Mais non, c'est... je sais plus comment elle s'appelle. Mais oui, sa petite copine. Ah, ne jamais regarder la télé en mangeant. Voyons. On partage un moment, pas avec la télé. Gohan, repas. Paire de baguettes, allez. よし、まるで。いや、なんとか彼女を追い出すな。さあ。バイバイ、夜更かしして今日は早く寝なさい。お、布団に入って。どうせ眠れないよ。なぜ?君のせいじゃ。私? Il t'en faut... Enfin, t'as besoin d'un dessin? Cache-toi. Minami-san. De Mami Tamao que toi. On est voisins, je connais bien ta maison. C'est pas une raison pour rentrer. Allez, c'est Guinguette, tout le monde rentre. Oui, viens, viens, vas-y. Et j'espère que vous avez faim. Miura Keitaro と申します。お願いというのは彼を何日か止めてあげてほしいの。え?あなたが玉尾さんのお孫さん。南さんとは?部屋は空いてるし、おばあちゃんが帰るまで。 Mais non, mais il est pieds nus et tout, dégage. Et toi là? Qu'est-ce qu'elle veut?
D'accord. Donc on a... De la cantine, on aurait pu trouver autre chose, mais là on a fait les flashbacks. Et on a gagné des métacrédits. Très bien. Minami découvre que Kurabe et Wakisuji habitent ensemble. Ils acceptent donc de prendre un autre locataire. Et si je fais ça, on continue? On va essayer de rester sur le même, histoire de gagner un peu en cohérence. Donc on recommence, c'est la fin des cours, je prends mon sac. C'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, du coup, il va falloir... Alors, peut-être pas, parce que... Si, c'est forcément après les cours. J'ai deux autres possibilités après les cours. Et en rentrant à la cantine, j'en ai une autre. D'accord. Bon, alors après les cours, on peut faire autre chose. Écoutez la conversation de Sawatari. Ah, mais c'est bien, c'est indiqué. Se débarrasser de Shiba dans la classe ou le couloir. Shiba! Dégage! Voilà, je m'en débarrasse pas trop. Si je lui parle de mes problèmes... Oui, du coup, j'ai débloqué ça. Non. Ok. Ouais, attends, qu'est-ce qu'on peut apprendre sur lui? Un rêve, un rêve flippant, ouais. Et où est-ce qu'elle est? Enfin, c'est ça, c'est l'infirmerie. Si je lui parle du film. J'ai ramené ce film hardcore étranger. Ah. D'accord. Je vais pas réussir à m'en débarrasser. Ah oui, ça ok. Du coup, il va y aller tout de suite, non? J'arrive pas à m'en débarrasser de celui-là. Ça, on l'a déjà fait. Mais il y a un truc qui va pas. Non, mais ça c'est bon, réfléchir sur tout ça, ça sert à rien. On sort. J'arrive pas à m'en débarrasser. Attends, ta gueule. Oui. Si, c'est bon. Fais ça. Je peux rien associer. Si, je vais lui parler. Eh ouais, il faut que... Bon, Shiba-kun. Tu dégages. Attends, elle se casse. Oui, mais je peux rien faire là. J'ai pas réussi. Écouter la conversation de Sawatari et des autres, je pense que c'est fini. Et se débarrasser de Shiba. Eh ben, j'y arrive pas. J'ai pas envie. Disparais, espèce de connard! Je peux rien faire en fait. Je peux juste réfléchir sur les trucs. On a déjà réfléchi. Et il y a un truc rouge. Ah, ta. Ça y est. Alors, ce qui est embêtant, c'est qu'il fallait réfléchir d'abord pour pouvoir lui parler. Super! On a réussi. Et maintenant? Photocopie?
je retourne dans la classe. Putain. Je peux plus rien associer là. Comment on rentre dans la classe? Je peux plus rentrer dans la classe parce que je suis sorti. Ok. Eh oui, je sais. Je crois que je l'ai dans l'os, c'est ça. En fait, il fallait que j'y aille pendant le petit laps de temps. Ouais, je crois que j'ai compris. Ok, bon bah, c'est pas grave. On va quand même à la cantine, parce qu'à la cantine, il y a un deuxième truc à faire. Quoique, se débarrasser de Shiba, c'est bon. Interagir avec Fuyusaka dans la classe. Mais je peux pas rentrer dans la classe. J'arrive pas à re-rentrer. Je sais même plus où c'est, mais... il me le propose pas. Bon, tant pis. On avait presque réussi. Donc là, il n'y a plus Nachan. Non, du coup, je peux même pas faire ça. Attends. Allez à la cantine. Il y a le flashback et il y a un autre truc. Alors, on va voir. D'accord. Rentrez. Ok. Vie quotidienne. D'accord. Ça n'apporte absolument rien donc. Hein. Alors on va recommencer. Cette fois-ci je crois savoir comment. Alors on peut écouter la conversation des filles aussi. Alors juste... là, il y a écouter la conversation de Sawatari et des autres. Laisse-moi tranquille. Alors, on va devoir se repalucher tous les souvenirs pour pouvoir... c'est bon, on peut pas. Oui, reste vert. Ça a pas l'air d'aller. Près des distributeurs. Cours de récré. Plus. Ok, donc près des distributeurs. Donc allons-y. Ouais, 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 quittez. D'accord. Elle est où? Attends, on va se débarrasser de lui. Elle est où? Kurabe-kun, kochi. Komatta na, Shiba-kun. Tiens, c'était quoi? C'est Shuamigichi. Voilà. Allez, va voir. Ah ouais? Masaka, 先週も話して、ほら、
Donc on va vivre les mêmes épisodes mais de manière différente en fonction de nos choix. C'est assez cool. Astéroïde. Ok. Ouais, il a oublié. C'est réellement arrivé, c'est pas un rêve. Alors, avec quoi on va associer... La guerre des ovnis. Sentinelle. Eh oui. On peut encore associer des trucs. Et donc là, c'est bon, on a fini. Hein. Mais si. Ajouter la salle de science. Alors, voyons voir. Oui, ce souvenir, j'imagine. Alors, qu'est-ce qu'on a débloqué ? Il a un an de plus, quoi. Faisons comme ça. Ramasse donc ce bécher. Un samedi. Oh non, les pauvres. Allez, un bécher. Deux bêchers. Mais oui, il est impeccable. Lequel? Okay. Et il y en a un autre. Et il y a certainement des trucs à faire aussi ici. Hein, si j'active, ouais. Non, ça mène vers une seule clé et ça nous déverrouille plein de trucs. Alors ça va, s'il n'y a pas 40 choses à faire, on avance. J'ai fini. J'ai rangé deux bêchers. Bah pourquoi l'autre s'en occuperait pas vu qu'il faut rien? Ah! Ouais, c'était quel genre de rêve? Ah, mais oui! C'est Muriyura? C'est marrant parce que ça ressemble à ce que Ei il est en train de vivre. Ouh là là. Ouais, voilà, tu vois, c'est eux. Je suis un peu plus de temps.
C'est juste un bateau. Ah. Et pourquoi il vous verrait? Ok. Ok, ok. Je comprends mieux. On a bien avancé. Ok, ben on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis on se dit à bientôt pour la suite. Je sais pas si on sera toujours sur Juro ou quelqu'un d'autre. Mais à bientôt pour la suite. Ciao.